I'm a selfish kind of person. With a soul trying to fly. Aim to break the laws of nature. Aujourd'hui, hier, j'ai commencé à attaquer l'intérieur du van pour l'isolation, l'espèce de mur qui allait couvrir l'isolation du van. J'ai déjà fait une bande qui est déjà dans le van, que j'ai posé hier soir à 10h du soir, 10-11h du soir. Donc là, on va aller au van. Je vais vous montrer également l'avancement du van depuis le début. Donc voici pour l'avancement. Comme on peut voir, on va retirer ça. J'ai réussi à faire les deux blanquettes. Ceci, j'ai fait une trappe qui est attachée avec des boulons juste ici. Attends, on va fermer. On va fermer parce que vu qu'il ne fait que le pleuvoir en ce moment, les voitures quand elles passent, ça fait forcément beaucoup plus de bruit. Mais bon, voilà en gros. Donc j'ai réussi à faire l'espèce de trappe ici. Comme ça, on peut avoir accès depuis directement le van, on peut avoir accès dans le coffre. Et également, il y aura un tiroir que je ferai beaucoup plus tard. J'ai juste deux finitions à faire sur cette petite trappe. Je vais mettre du bois au fond et je vais également calé, hop, donc voilà, donc je mets du bois juste ici, et là il faut que je mette du bois également pour couvrir, pour pas que le tuyau soit sur le chemin à chaque fois. Vu qu'on est ici, j'ai également fait du coup l'arrière, qu'on a déjà vu dans les anciennes vidéos, donc il y a le robinet, l'évier, tout ce qu'il faut pour la partie plomberie qui est reliée ici, tout ça, jusqu'aux bouteilles d'eau, qui sont retirables par ici. Nous avons ici, je connecte le capteur d'air pour l'évacuation des odeurs. Et là-bas, nous avons l'arrivée, hop, et là-bas, nous avons l'arrivée d'eau pour pouvoir pomper directement sur le robinet. Ensuite, ça, c'est fixé sur le meuble, du coup, on ne peut pas bouger. Et là, il n'y a plus qu'à faire une espèce de trappe pour pouvoir avoir accès aux sacs de rando qui sont juste à l'intérieur. Donc, tout ça qui rend bien. Hier, j'ai mis du coup, là, des panneaux qui doivent recouvrir les blocs d'isolation. Donc là, c'est pas rempli. Là, c'est rempli. Rempli, rempli. Et enfin, dernière étape, ici j'ai fait la table, du coup, avec les toilettes qui sont juste en dessous. Mais normalement, ça, ça va ici. Mais là, pour le bien, à chaque fois quand je mets des trucs, je me sers de la table pour poser à mon bordel. Donc voilà pour l'avancement du van. Donc ça a bien avancé comme vous avez vu. Aujourd'hui, j'ai quand même une grosse journée à faire. Donc il faut que je pose ceci ici. Et ensuite, à midi, j'ai rendez-vous avec un contrôleur qui en gros va vérifier tout ce qu'on a besoin pour la self-contain du van. Donc ça veut dire qu'il va vérifier toute la partie plomberie, les toilettes, que rien ne bouge. Et comme ça, quand ça sera passé, on pourra après du coup dormir où on veut, partout. Donc ça, c'est cool. Comme ça, ça sera gratuit. Plus besoin d'aller dans les campings, plus besoin d'aller payer des parcs pour pouvoir dormir. Donc aujourd'hui, grosse journée pour moi et j'ai rendez-vous dans 2 heures. Donc je vais me dépêcher. Et voilà, trappe numéro 2 mise du coup de chaque côté, c'est fini. Il y aura du coup plus qu'à mettre sur les portes. Et après c'est bon, on aura fini. Ah, le van qui avance, ça fait plaisir. En termes de boulot sur le van, qu'est-ce qu'il me reste à faire après dans les prochaines journées? Il me restera plus qu'à faire seulement que 2 planches à mettre avec les matelas. Donc avec les matelas ici. 2 planches, une planche qui va aller ici et une planche qui va aller ici pour pouvoir dormir tranquillement. Et les planches, quand on ne va pas s'en servir, elles seront positionnées ici et positionnées ici. Comme ça, on aura un endroit, voilà, tout douillet, tout bien, pour pouvoir chiller la journée, dormir tranquillement le soir. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ça avance bien, bien avancé. Donc très content et très satisfait de ce petit van, écoute. Situation.
voilà, j'ai réussi à passer le test, ce qui fait plaisir, ce qui fait vraiment plaisir. Donc le test de self-contain est passé et a été approuvé. Les papiers sont là-bas dans l'arrière là, mais voilà, ça a été approuvé. Ça a été assez dur, malgré tout, il a fallu quand même un peu négocier. Mais bon, c'est passé, c'est le plus important. Donc test réussi, papier réussi. Maintenant, on va devoir attendre de recevoir les stickers par mail. Donc ça fait vrament plaisir, vraiment content. Voilà, du DIY passé avec succès. Maintenant je vais rentrer et je vais continuer sur l'avancement du van en terminant les matelas pour terminer le lit.